bonsoir tout le monde, c'est pas du tout un deuxième essai. Comment ça va? Ça va, je suis extrêmement fatigué, j'ai extrêmement mal aux dents aussi. Mal aux dents? Ah, c'est dommage, vu qu'on va manger. Une sorte de rage de dents, j'ai la transition. Il est fort, hein. Et c'est à l'heure du goûter qu'on fait ce live, il est que 4h. Mais on va jouer à un jeu qu'on attend. Alors moi ça fait beaucoup de temps que je l'attends. Très longtemps. Si vous aviez suivi mon GK Live d'arrivée chez GK qui était en janvier 2018, souvenez-vous. Ça date déjà. Ça commence à faire 2 ans quand même. Ça fait 2 ans. Cooksurf Delicious 2, qui est l'un de mes jeux du cœur. J'adore la série Cooksurf Delicious. Et on là, dit au revoir à la rédac. Cooksurf Delicious 3, parce qu'il y a un 3 ici là, là. Juste là, là. Juste là. Et en fait ce 3, c'est parce qu'ils ont fait un troisième volet, évidemment. Qui cette fois-ci se déroule non plus dans un restaurant, mais dans un food truck. Parce qu'en fait, on est dans le futur. Et là, il y a du lore, Cooksurf Delicious qui arrive, et ça va très bien. Il y a du lore, il y a une histoire, c'est assez bizarre. Il y a eu une catastrophe mondiale. Il y a pas mal de trucs qui ont changé par rapport à Cooksurf Delicious 2. Et après, la base reste la même, c'est celle d'un jeu de cuisine mêlé à de l'adresse et du typing game, à savoir, en fait, quand on va voir en jeu, vous avez donc des plats qui arrivent, waouh, extrêmement fatigué. Et lorsque ces plats arrivent, il faut taper les différents ingrédients sur le clavier, donc par exemple M pour moutarde, S pour sel, C pour courgette. Et il faut taper ces différents ingrédients le plus vite possible. Ça doit pas être mauvais des courgettes à la moutarde. Écoute, j'ai juste dit les trucs qui me passaient par là. Mais écoute, moi je suis sûr que ça doit pas du tout être mauvais. J'ai fait une tarte récemment, tomate, courgette, moutarde. C'était plutôt bon. Et qu'est-ce que tu as mangé ce midi? J'ai mangé du McDo. Ah bah voilà. De bon goût voilà. Pour jouer à Cooksurf Delicious. Est-ce que t'as pas une petite cinématique, ouais, un petit truc Merci à Ja. Non, Jash. Jash. Avec beaucoup de A. Abonné. Alors, je comprends que c'est de l'accès anticipé, donc ce que vous allez voir là, ce n'est pas un jeu qui est terminé. Oui, non, les développeurs se laissent 6 à 8 mois en fait pour terminer leur jeu. D'ailleurs, je vais nous passer. Piou. C'est comment? Donc, il y a des menus qui sont pas terminés. En bas de l'écran. Comme ça. Le menu Trinkets par exemple n'est pas implémenté. Les crédits, si on va voir les crédits actuellement, c'est juste 3 pages comme ça. De PowerPoint. Mais il y a la cinématique d'intro que je vais vous montrer. Les développeurs se laissent en fait 6 à 8 mois pour. Finir de développer leur jeu avec les retours de la communauté. Ça devrait sortir cet été normalement en version complète. Alors, je crois que ça va le Texas. Alors, je vois que c'est encore un peu austère visuellement. Il y a encore rien de traduit en français, hein, mais c'est doublé par deux doubleuses, dont une streameuse dont j'ai oublié le pseudo. On va le voir à la fin. Donc là, ils font des rappels des restaurants des deux précédents volets. Max Winner, c'est un restaurant assez connu de Cooksurf Delicious 2. Ah, moi je veux bien un peu de lourd parce que je n'ai joué qu'au 1 en fait. Excellent! Et donc le restaurant, donc le Cooksurf Delicious qui est le restaurant du premier et deuxième volet, là explose durant la fin du monde en 2042 et en fait c'est un Cooksurf Delicious post-apo où on va, donc il y a ces deux robots là qui conduisent un camion. Ils vont récupérer en fait le cuisinier. Voilà, donc est un survivant. Et le cuisinier, en fait, il va être plus ou moins réquisitionné pour faire de la bouffe dans le camion. C'est la première fois qu'il y a de l'histoire dans un Cooksurf Delicious, c'est pour ça que c'est pas forcément très très bien fait. C'est encore très simple, hein, visuellement, c'est juste des artworks et du texte. En revanche, les doublages sont plutôt convaincants, c'est cool. Ouais, j'avais pas de souvenir parce que je n'ai joué qu'au premier en fait, de Cooksurf Delicious. Faut que tu joues aux deux. J'avais déjà beaucoup de mal à m'organiser dans le premier. Ouais. Et là c'est pire. Et voilà, dès que j'ai vu en fait que dans le 2 il y avait cette barre supplémentaire en haut où on préparait en fait des plats en avance avant que les gens arrivent, ça m'a stressé encore plus rien que visuellement. Ça, en fait, c'est un truc qu'ils ont donc dû complémenter dans le 2 qui était, ça s'appelle les prep stations. Et maintenant je peux avoir jusqu'à 14 prep stations, je crois, ou 9. Et ça m'angoisse rien que de l'entendre. C'est en fait il y a des fois où tu prépares jusqu'à 14 ou 18 plats en même temps. Mais par contre j'adore cette musique. Ouais. Et donc, c'est donc là les deux doubleuses, Havana Mahoney et Negaorix, qui doublent les deux robots. Et donc, quoi, c'est un jeu assez complexe. Moi, c'est l'un de mes jeux du cœur parce que vraiment. C'est passionnant, mais quand on tombe dedans, c'est une drogue. C'est une sorte de jeu de rythme de la cuisine. C'est excellent. Mais c'est un jeu auquel je peux habituellement pas jouer plus de 20 minutes parce que sinon je fais un AVC. Et on va essayer. Donc, ça se passe donc comme dans les précédents volets, sauf que là, il y a plus de carte des restaurants machin, c'est un trajet en fait que tu fais en food truck. Encore une fois, est-ce que tu choisis du coup les endroits où tu vas et est-ce qu'il y a des préférences de spécialités suivant les endroits? Chaque route a un petit panneau, donc par exemple là BIO barbecue, ça va être plus des grillades. Je crois que
Summertime Buffet, bah voilà, c'est tous les trucs des plats d'été. Salad Envy, c'est forcément des salades. Et en fait, d'accord, à chaque fois qu'il y a des Fried Fantasy, bah, tout ce qui est poulet frit et friture. Il y a différents endroits avec différents restaurants. Je sais pas encore comment on va s'articuler au final le jeu. Là, il me manque une médaille. Dans une médaille, je peux accéder à un nouveau truc, donc on va voir. Donc je vais essayer de pêcher une médaille d'argent quelque part. Peut-être ici. Summertime Buffet. Non, je vais te vous montrer d'abord l'un des trucs les plus simples au début. Easy Street. On va essayer ça. Donc, est-ce que tu composes ton menu toujours ? Alors oui, donc t'as toujours des plats qui vont dépendre de l'endroit où tu vas. Là par exemple, comme je suis allé à Buttermilk County, j'ai accès à que ces plats-là. Je dois en choisir 3 dans les prep station, donc qui sont les trucs HS et enfin en rouge. Pourquoi et jaune. Quoi HS déjà ? Hot Station. Ah oui. Ouais. Donc je vais prendre des falafels, c'est simple à faire, des chicken strips et un peu de frais quand même. Voilà. Oui, j'ai globalement des menus qui sont pas très sains. Est-ce qu'il y a toujours des niveaux de difficulté ? Ouais, en fait, là, ouais. Donc là, plus le plat est un niveau de rareté élevé, donc 1, 2, 3 ou 4, en 4 c'est du violet, plus un niveau de rareté élevé, plus il va être dur à faire, mais plus il va t'apporter d'argent. Ok. Parce qu'un plat, plus il est cher, plus il est chaud à faire. Je vais mettre... On te demande des lasagnes. Alors, c'est dans un autre resto, on va le débloquer juste après. C'est la mort, les lasagnes, c'est la mort. Dans ce jeu, ah mais moi je me rappelle de c'est quoi, c'était PQSR, PQSR, PQSR. Ouais, ouais, c'était la mort. Donc il nous explique un petit peu la nouveauté. Je vais essayer de vous la raconter en jouant, mais quand je suis à coup sortir des choses, globalement je ne parle pas trop. Je vais essayer d'animer ça pour toi. Donc là, ah, déjà ça commence comme Mario Kart. Station, je mets, tu prépares des plats en fait. Donc là, en haut à droite, tu as le trajet avant qu'on arrive. Donc pour le côté typing, là, bon, on n'a pas de setup pour vous montrer le clavier où joue Nodus, donc ça se joue. Après, tu sais que ça peut se jouer à la manette, mais on conseille au clavier. Mais en gros, il faut vraiment taper très très vite des lettres qui s'affichent à droite de l'écran. Parce que le principe, c'est de prendre de l'avance en fait sur les futures préparations qui arrivent. Et ça demande parfois de l'organisation et presque. Moi, je sais que je m'aidais notamment pour les lasagnes, de dire à voix haute en fait les lettres que je suis en train de taper. Ouais, et moi, vous savez qu'on a l'air vraiment très obsédé. Des fois, dans le GKL, je veux le dire, par exemple, si je. Comment dire, attends. Il y a des fois où je prononce à voix haute les lettres, par exemple, je dis oui. USBR, DRS, DRT, machin, qui correspondent aux différentes. Là, par exemple, USBR, hop, entrée pour servir le plat. Ça permet vraiment en fait d'apprendre, parce que c'est aussi du par cœur mécanique. Et donc, il y a une grande nouveauté qui est la touche contrôle, qui est en fait l'un des robots qui t'aide et qui sert tout d'un coup. Ah, ok, c'est pour ça que ça va aussi vite dans les vidéos. Je me demandais, est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à genre glisser son doigt sur les falafels, les falafels. Parce que si tu sors pas un plat à temps, voilà, de la merde, j'ai fait de la merde. Ah. Alors parce que là, en fait, il y a un système de... C'est extrêmement compliqué à live, hein, ce jeu. Ouais, c'est compliqué. De satisfaction des clients avec un temps limite. Et là, cette nouveauté... Est-ce que ça y était dans le 2, le fait que ça revienne au départ? Ouais. Si jamais t'as... Ok, c'était en fait, une nouveauté. Il faut que ton plat soit en prep station. À partir du moment où il est en prep station, il descend. Les personnes re-attendent. Parce que si jamais on sert pas à temps, les gens sont pas contents. Et du coup, on n'a pas d'argent. Et le blueberry... Blueberry, hop. Oui, dire à voix haute tous les ingrédients, oui, ça aide énormément. Comme on est sur un jeu d'automatisation. Ouais, c'est vraiment du typing game et de... FFFFD. Effectivement, il y a Romix qui dit dans le chat qui joue à la souris. Comment on joue à la essayé. Souris J'imagine J'ai essayé la manette et j'ai cru que j'allais exploser, que mon cerveau allait exploser tellement j'arrivais à rien faire. J'aimais bien le 2 à la manette parce que c'est plus simple, les boutons sont plus près l'un de l'autre. Ouais. Et pour la mémoire musculaire, c'est très pratique. Par exemple, pour vider les poubelles, la vaisselle, etc., c'était beaucoup plus rapide que sur PC. Et après, là, l'avantage du clavier, c'est que chaque lettre correspond à généralement à la première lettre. Là, par exemple, U de butter, S sugar, B banana, R rum. Donc les nouvelles techniques sont plus simples à avoir. Moi, c'est ça que je préférais en fait, c'est que je voyais voilà, spinach pour les épinards, et je sais, voilà, SS sur le clavier en fait. Alors que sur manette, du coup, c'est absolument pas automatique. C'est... Ça dit spinach ou spinach? 4F, attends, je tente de me concentrer. C'est ultra satisfaisant quand tout se sert d'un coup. Ah ouais. F5. Il reste quand même 39 clients pour ce truc là, donc... Oui, parce que c'est, on voit du coup, il y a de nouvelles petites nouvelles interfaces. On voyait aussi dans le 2 le nombre de gens qui restaient. C'est une nouveauté de celui-là. Tu voyais pas le nombre de gens qui restaient. Parce que là maintenant, on voit le nombre de clients restants. Et je trouve ça très pratique de savoir où on en est dans la vague, parce que ça fonctionne par vague creuse et vague pleine avec. Alors là, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est plus vague creuse. Enfin, dans le 1 et le 2, t'avais ce qu'ils appelaient donc comme dans tous les restaurants, les rush hour, donc, qui sont les heures de
Mais là en fait tes rush hour c'est quand tu arrives à un endroit pour servir tes clients. Putain. C'est bon. Qui sont donc du coup les heures de pointe. Et les heures de pointe là sont remplacées par juste les... C'est des stops quand tu, ton food truck est arrivé à destination. Ouais c'est ça en fait. Mais c'est un jeu très stressant Naiden, tu as raison. Ah bah là c'est facile, tu n'as quasiment que tes petites baies. Ouais, tu n'as que tes petites baies. Mais j'en aurais pas assez. Je vais en refaire. Là tu vois donc, la F4 est en train d'être prête mais j'en aurais pas assez donc hop, j'ai refait la F1. Et donc comme c'est automatique avec contrôle, ça fait dans l'ordre d'arrivée des clients j'imagine. Ouais, je sais pas, mais je trouve que ça fait dans... Enfin ça sort tout d'un coup, donc ça compte. Mais ça fait pas genre dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, si jamais le 8 est arrivé en premier. Ça commence en haut. Ça commence forcément en haut, ok. De toute façon globalement, tout est servi instant quand tu fais contrôle. Donc, Et autre nouveauté, maintenant quand tu fais un combo, à partir de 80 je crois, toutes tes places sont automatiquement en délicieux. Ah nickel. Parce que t'as plus de points. Alors que dans le 2 par exemple, il fallait, pour qu'un plat soit considéré comme délicieux, il fallait qu'il y ait un side à côté. Par exemple une salade de fruits ou des pâtes ou machin. Oui, et je me rappelle, oui, il fallait rajouter side, des choses. Ça faisait un délicieux. Et là, quand je compare mes plans, je suis un peu de la merde. F2 falafel, B, FFDDD, hop. 5 USBR, 6 DRS, control. En tout cas, je remarque que pour un début de jeu, il y a déjà beaucoup de déclinaisons d'un même plat. Par exemple tes fruits, là t'avais des fraises, d'autres baies, des cerises, des choses comme ça. Et c'était comme ça qu'ils ajoutaient de la difficulté, c'était en faisant plein de variations différentes d'un seul et même plat, ce qui fait que c'est comme ça qu'on se retrouvait débordé à avoir de l'automatisation d'un autre plat et pas forcément de celui qu'on nous demande. Je suis dégoûté, j'aurais pas de médaille d'or parce que j'ai raté un truc en parlant. Voilà. Mais c'est un jeu qui me stresse de ouf ce jeu. Ah mais si, c'est un jeu très très très... On te dit attention à ta pression artérielle. Il y a des moments en jeu, enfin sur le 2, où j'ai joué en rentrant du taf. Et ça me détendait pas du tout en fait. J'étais juste stressé. Donc tu vois là les plats qui brillent, c'est les plats qui vont être en délicieuse. Combo de 127. Ah bah c'est le dernier client là. Est-ce que j'ai raté un truc? Ah j'espère que j'ai... Je sais pas. T'avais fait un... t'avais raté une commande sur ton premier stop. D'ailleurs je pense que c'est ce qu'on voit avec tes trois petites flèches. Et ta croix en haut à droite, c'est que t'avais trois arrêts, t'en as fait deux en perfect, mais le premier t'avais une erreur. Ah, donc d'où la médaille d'argent et pas la médaille d'or. Mais c'était ce que tu voulais, tu cherchais une médaille d'argent. Ouais, mais je l'avais déjà eu. Donc, là je voulais te montrer un niveau. Ah oui, non, c'était un autre niveau que tu voulais montrer. Montrer un niveau facile. Donc tu vois, donc là 50 en delicious, 142 en perfect, 0 en moyen et 1 en raté parce que j'ai raté la cuisson. Tu débloques donc des thunes, ces thunes se convertissent en points d'XP. Et à quoi te sert ce pognon à part acheter des nouveaux plats? Est-ce que tu peux toujours décorer décorer ton food truck? Décorer, je ne sais pas. J'imagine que ça va être avec les trinkets. En revanche, ce qu'on peut faire, que j'ai débloqué juste avant, c'est upgrade. Et donc tu peux... Voilà, un arbre de compétences du food truck. Tu peux ajouter des prep stations, ajouter des holdings. Donc les holding stations sont les trucs qui sont en haut de l'écran. Les prep sur la gauche. Tu peux diminuer le temps, enfin augmenter le temps à partir duquel un plat sera considéré comme pourri. Parce que quand tu fais une salade par exemple, que tu la laisses durant tout le service, bah forcément elle est pourrie Mais c'est la salade du Franprix. Ouais, ouais. Pas la salade du fresh stand. La salade en 30 secondes elle est vite pourrie. Alors il me faut une médaille d'argent. On va essayer de faire freshest ici. Et je vais me concentrer donc je ne vais absolument pas parler pour réussir le niveau. Parce qu'il faut vraiment que je le réussisse. Donc avant de faire ton menu, tu peux évidemment essayer les plats. Par exemple, là il y en a plein que j'ai pas essayé encore. Comme je sais pas le saté, satay. Ah oui, un petit satay de poulet. Et bah, écoute, ou cacahuète, c'est très très bon. Practice, ça. Et donc en practice, tu peux l'essayer. Il faut KOP. On a Mizumito qui nous dit un skin tree, c'est moi où il commence à manquer d'idées pour le 3. Il y avait déjà plein de choses à débloquer, c'est juste que là ils nous ont organisé en skin tree, mais dès le premier on pouvait augmenter son restaurant en achetant. Alors après les trinkets, la rapidité des poubelles. Là pour l'instant, de ce que j'en vois, donc j'ai joué 2-3 heures, il a enlevé des choses dans le 2, par exemple les sides, etc. Mais remplacé par d'autres choses. Je pense que c'est. C'est bien, ça va faire 3 jeux qui sont vraiment différents. Ouais, le rythme de jeu n'est pas le même du tout. Il y a des moments d'extrême rush, mais comme t'as beaucoup plus de temps pour préparer. Et comme t'as ce truc contrôle qui sert tout d'un coup, c'est un peu moins stressant. Parce que moi, le 2, rien qu'à regarder, ça me stressait énormément. Ça, on l'achète, on le met dans le menu. On va faire. Oui, je l'essaye quand même. Non. Mais. Je veux monter, monsieur. Pourquoi tu peux ? Là, c'est un bug, l'accès anticipé. Bon.
Donc je sais pas du tout ce que c'est que ces ingrédients. On va mettre le taboulé. Yes. On va mettre... Attends, bon, je vais quand même quitter le menu pour le... Ouais, ouais, je sais que le 2 a l'air génial, mais... J'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai attendu de voir avant de l'acheter. Donc j'ai été regarder des streams, j'ai été lire des tests, et avoir les vidéos, ça m'angoissait énormément. Je savais que j'étais déjà très 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 stressée sur le premier, donc avoir les vidéos du 2, j'étais très stressée, donc j'ai pas osé passer le pas. J'aurais peut-être dû. Mais le 2 est ouf, je te le conseille vraiment. Question hors sujet, est-ce que Nodus a eu le temps de jeter un œil au dernier DLC de Simulateur de Dépression Frostpunk? J'ai vu qu'il était sorti, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Oui, c'est le DLC du printemps. De l'automne. Il se passe juste avant l'hiver. Ah oui, du coup, c'est l'automne, c'est pas le printemps. Mais ouais, il est sorti. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire un truc, parce que là, je reviens d'un déplacement et je repars en déplacement mercredi. Donc, j'ai que 2 jours pour faire la prévue de Cookserve. J'aurai pas forcément le temps de tester le DLC de Frostpunk pour l'instant. Mais c'est dans ma liste qui est malheureusement un peu trop longue en ce moment. Allez, est-ce que tu peux monter un petit peu le son de la télé, s'il te plaît? Ah oui. Histoire que je suis. Si tu veux le retour. Histoire que je sois dans la zone. Ouais, c'est bon ça. Allez, je me concentre. J'aime beaucoup ce départ à un jeu de course. Je trouve plus simple de 2 pourtant. Eh bien écoute, je vais t'écouter et je vais aller l'essayer. J'ai un long week-end qui arrive. J'irai essayer quelques heures de Cookserve Delicious 2, voir si ça m'angoisse autant que le 1. Et surtout, voilà, d'ici 6 mois et quelques, on devrait avoir le 3 en version complète. Là pour l'instant, vous pouvez profiter de l'accès anticipé. Ça s'ouvre en fin de semaine, je crois que c'est le 29. Ah, c'est nul à chier le taboulé, putain. Ah, le taboulé est apparemment. Taboulé est nul. Un peu comme Uber. M. Ouais, oh le taboulé, quel enfer. Vous faites une heure sur ce jeu? Ouais, on va faire une heure sur Cookserve Delicious. Ah, sur Switch de 2. Je serais vraiment team PC pour Cookserve. Je me verrais à la vraiment manette, pas. Ça passe, hein. Il fait partie des 10 meilleurs jeux les mieux notés sur Switch. We are nearing the next stop. Je crois. Ouais, je suis vraiment habitué au premier à être sur clavier, donc je sais pas sur. Je pense que mon cerveau va dégouliner d'essayer de jouer à. D'y jouer avec des Joy-Con. Ça, c'est vraiment pratique ce nouveau truc. Ouais, c'est très très pratique. F3. Le saté, K-O-P, hop, contrôle. Donc là, c'est en préparation, donc ils n'ont plus besoin d'attendre. Je vais refaire le F4. Je vais refaire du saté, hop. Yes, yes. Donc tu vois que les moments de rush sont un peu plus courts, et t'en as plus. Oui. TGPNV. Le rythme est effectivement très différent de. Ouais, ça change. Du 2, de souvenir, il y avait de très très longs moments de rush. A bientôt, Naiden. CTSK. Ah, c'est bien, ça te prévient parce que tu es à la moitié du parcours également. Ouais, c'est heureusement. Ouais. Sinon, je pense que je pèterais un câble. TGPNV. 2, 4. Au lieu d'avoir les horaires, cette fois, c'est la distance à parcourir. Je vais refaire le taboulé, je suis attention. B. Concombre. U. M. Et Garbanzo, c'est G. Yes! GCAT. C'est bon. Il demande plus d'organisation. Il demande pas mal d'organisation, ouais. C'est un peu la mort. Je ne vous cache pas que c'est un peu la... Ah c'est quoi? C'est du poulet. D, hop. Faut que j'en fasse. 3, D, D, A. Tout ce poulet. Je vais refaire du ça. TGP, NV, hop. Allez, boum. Il m'en faut du satin. K.O.P. Hop. K.O.P. Hop. Encore du poulet. Décidément, ils mangent que du poulet. Ouais, les gens aiment beaucoup le poulet. C'est comme Uber. Les gens aiment énormément Uber. Aime beaucoup le KFC. Allez, plus vite. J'attends que le F3 soit prêt. Boum. Allez, c'est reparti. On va faire le dernier stop. Ah non, il y a 5 stops. Il y a 5 stops cette fois-ci. Oh là là, la mort. Et si tu rates un truc, t'as la médaille d'argent. Genre, t'as la médaille d'or, ouais, que ouais. Si tu fais un perfect. G,
C'est vrai que du coup ça change beaucoup le rythme des anciens qui étaient dans un restaurant fixe et du coup c'était des rush hour du midi et du soir. C'était SK. T'as une petite salade qui a l'air d'arriver. TGP, NV, contrôle. Contrôle le saté. K, OP. Oh non, taboulet de con! Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent. C'est Salut, Hawk of Navarre. Pionions, 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 pionions. Alors, on vous présente du coup l'accès anticipé de Cook Serve Delicious 3 qui sera disponible en fin de semaine. C'était chaud. Nodus est en train de décéder. Faut que j'en fasse du taboulet, c'est bon, salade, c'est bon, crabe, c'est bon, je vais en faire du poulet. 3, 2, 1, 1, 2, 3, G, A, S, K, 4, G, C, A, T, T, 5, C, L. En fait, les moments de rush sont pas disposés de la même façon. Oui, exceptionnellement aujourd'hui on fait de live de 16 à 17. Oui, on a chez le dentiste, voilà. Voilà, nous dit ça a mal aux dents. On n'a rien vous cacher. Toutes ces commandes en Delicious. C'est vrai que c'est très satisfaisant d'avoir. C'est ultra satisfaisant le truc de. Merde, 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 merde. Taboulet de con. Non. Boulgour, P onions, N, cauliflower, A, cut parsley, P. C'est bon. Non, la salade, la salade, la salade. GPNV. Putain, j'ai raté les trucs. Oh, j'aurais pas la médaille de. J'aurais plus la médaille d'argent. Bon, ça suffira, mais. Extrêmement, extrêmement stressant. Je suis stressé rien qu'à être assise à côté de toi. On va refaire TGPNV 2CL 3CL 4CL 1LLMW. Un Ashram qui me dit ça tombe très bien, j'allais faire des courses. Bah, si vous avez des idées repas, si vous manquez d'idées repas, c'est de bon live. Après, si vous voulez le reste des lives de la semaine, vous avez le programme qu'on a publié là en début d'après-midi. Alors demain, il n'y aura pas de live en fin d'après-midi comme on fait comme ça, parce que c'est le retour de Passe-moi de sel. Ce sera le soir. Ah, merci madame de partager le lien. Vous avez du coup les jeux qu'on a choisi, ce sera Fort en or et Lethal Blaze. Oui, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Taboulet de con. Je crois qu'on a trouvé le sous-titre du replay live, ce sera Taboulet de con. Tomate, garbanzo, bam, ça part en prod. Allez. Allez. Boum. Merde, le ah. Saté, KOP. Hop, la salade, la salade, la salade, la salade, la salade. TGPNV, hop, ça part, boum. Allez, il me faut du poulet. Du poulet. Non, du taboulet de con. Boulgour. P onions. Cauliflower, c'est A. Cut parsley, B. Putain, c'est horrible. Du poulet. Oui, Commando 2 Remaster, c'est le test qui arrive. Il n'y aura pas de live. Putain, j'ai réussi à l'ouvrir. C'est les brochettes, ça. Les brochettes, elles sont infernales. Allez, ce soir, petit taboulet. Pas assez de poulet. Là il arrive, ça, KOP. Mais c'est vraiment un jeu que je vous conseille, moi c'est. C'est parti de mes. Faut avoir des nerfs bien accrochés. Mes jeux du cœur, mais ouais, c'est. Je suis incapable d'y jouer. Tu vois, j'ai raté un truc et du coup j'ai la médaille d'argent. C'est toujours comme ça, donc. Je sais, mais moi ça m'énerve. C'est une. Et moi du coup je suis team recommencer le niveau quand j'ai pas la médaille d'argent. J'ai fait voilà. Une erreur. On a rarement des bleus en fait en moyen. Ouais, les bleus c'est juste cette commande qu'on a ratée parce qu'on avait plus assez de temps. Donc là, ça va faire augmenter ma jauge. Enfin, ça va faire augmenter ma jauge. Donc j'ai pris un niveau. Et je pourrais donc augmenter mon camion. Et j'ai débloqué par ailleurs le dernier niveau. Bah voilà, donc le dernier niveau est débloqué. On va aller upgrade mon camion. Qu'est-ce que je peux faire Food. Ouais, j'ai pas assez pour ça. Une prep station en plus. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Je ne pense pas. Un truc pour gagner du temps, quelque chose comme ça, non? Bah la prep station c'est pas vraiment pour gagner. Ça rajoute un truc à gauche. Oui, oui, oui. Donc c'est un peu la mort. Non, je vais économiser. D'ailleurs, c'est ça, je vais te montrer le food catalogue. Il y a tout ça comme nourriture pour l'instant. Oh là sachant là. Que c'était un accès anticipé. Hein, donc, Et donc t'as différents niveaux. Le 5, je crois que c'est le max pour l'instant.
On peut détrier genre par... Oui, tu peux sorting par le name par exemple, enfin le nom. Ah, je pensais tu vois genre en sucré et salé, ou genre tout ce qui est bouffe italienne, bouffe asiatique, ce genre de choses. Ça ils feront, bah food type c'est là. Ah bah non, 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 ça tu fais pas. Donc, ouais, ce sera peut-être pour la version finale, pour la... c'est peut-être pas implémenté pour l'instant. Effectivement, il y a de la poutine, c'est l'une des nouveautés du jeu. Je sais plus où elle est la poutine, mais il y en a. Elle est là, la poutine. Ah là là. T'as à chaque fois les stats du nombre de trucs que t'as. Cette musique est beaucoup trop entraînante. Oui, oui, je. Oh, des onigiri, c'est trop bon ça. Bah oui, mais For Honor, Pippo va. Pippo s'est entraîné un petit peu ce midi, il l'a repris. Alors, bon, je t'en fais d'aller un niveau. Et donc, logiquement, après celui-ci, je débloque un truc, je crois. Ah oui, il y a également, ça j'ai oublié de vous le dire, il y a les food truck attacks. Ça, j'en ai pas encore eu, mais apparemment, c'est quand des mecs viennent te tirer dessus. Pendant le temps de préparation. Ouais. Et bien, pas pendant les arrêts où tu tires la bouffe. Non, parce que sinon, ils tirent sur les gens. Et ils te tirent dessus pendant que tu prépares. Et donc, du coup, tu peux pas préparer, ou alors ça te nique des plats, je crois. Je sais pas ce qui se passe. Alors, nuggets. Strips. Le fried fish. On va voir ce que c'est. On part sur de la bouffe très très saine. C'est code fish 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 dunk. Ok, c'est relativement simple. Ok. Ça, je le prends. Le dango, ça m'a saoulé quand je l'ai pris. Voilà. Qu'est-ce que c'est le menudo? Ouais, j'ai quitté le truc, super. Menudo. F1, menudo. Oh non, il y a plein de trucs, vas-y, casse-toi. J'aime pas les plats avec plein de trucs. Dango. Qu'est-ce que c'est le dango? C'est pas des petites glaces genre japonais? GWP. F2, A. GWP. F3, A. GWP. Et ensuite, faut refaire un truc, faut faire GWP. Ah, deux fois! Ah, c'est... ah bah oui, en fait, c'est juste les couleurs. Ah bah ok, d'accord, c'est super. Bon, on prend ça. C'est juste pour green, white, pink. On va prendre le ça, c'est simple. Oula, c'est que des plats durs. Oula. On va prendre le breakfast. Ah, il me faut 5 points. Waouh. Ah, le Wellington, j'aime bien. Je l'ai fait, le Wellington, il est simple. Pourtant, il est en 4. Ouais, ouais, non, il est relativement simple. Et du coup, il me faut encore un point. Est-ce que je peux pas virer ça et prendre un plat 2 à la place? Bah non, ah non, bah non. Faire son menu c'est compliqué, et en plus là ils ont pas encore implémenté les trucs. Il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte après. Donc Coaster Delicious 2 c'était le cas. Prendre en compte l'importance du sucré et du salé, s'il pleut mettre des trucs plutôt chauds, si oui, éviter d'avoir des glaces, choses trop grasses, voilà. Genre d'avoir un menu uniquement composé de fritures par exemple. Là c'est pas encore implémenté donc heureusement. Est-ce qu'il y a des boissons pour l'instant? Il y en aura dans le monde d'après qu'on va débloquer là. Parce que j'ai le souvenir de la base très très simple de la bière. Voilà. La bière c'était la tireuse à bière qui est juste le grand basique. Alors, aïe. Bien, mais ça ira, j'espère que tu as bien transpiré ce Ring Fit. Ça m'avait bien plu. Crap cakes. Et je n'ai pas repris depuis et je devrais le re-shipper. Je ne sais plus qui c'est qui l'a à l'arrivée. Mais oui, Ring Fit c'était rigolo. C'est Pippo, je crois. C'est Pippo, ouais. Et ça fait vraiment transpirer. Un peu comme quand on est derrière un fourneau. Exactement. OC 6 OC. Des smoothies. Je crois qu'il y avait ce genre de choses. C'est... Ah non, j'ai mis CV. Ah non. T'as pas mis de bon. C'est lemon. Oh, les lettres sont pas du tout bonnes. Hein. Lemon, L, c'est lettuce. Ah. Oh non, ça va être l'enfer ça. Filet mignon. Parce que tu vois, t'as la localisation à chaque fois de d'où vient ce plat. Là par exemple le filet mignon du coup c'est un plat français. Ah oui, truc que je vais tout. J'ai vu qu'il y avait genre du coup un mexicain. Ah oui, Mexique, on a vu le Québec pour la poutine. Pour le Québec pour la poutine, donc je pense qu'il doit y avoir plus tard moyen de trier par pays, ouais, en fait. J'imagine, tout simplement. Comme il y a un aspect route en plus, je pense qu'il y aura peut-être un truc régional avec les bouffes. A noter également, ils ont ajouté ça là. C'est tout petit, mais faut y faire gaffe. Mince, c'est la gestion c'est de la cuisson. Et ça, c'est l'enfer. Quoi, rare c'est bleu. C'est en fait, regarde là, ça prend ce temps. Wendown c'est à ça point. Ça prend ce temps-là. Sachant qu'en anglais, nous on a trois cuissons en France. Oui. On a le bleu, oui. Le à point et le saignant. Le saignant c'est le milieu, le à point c'est bien bien cuit. Ils ont le medium rare, le barely rare et tout ça en anglais. J'ai jamais compris la différence. Et du coup, tu vois, leur ils en ont change genre carrément.
ça va beaucoup plus vite avec du bémol là, et ça, ça va extrêmement vite. Ouais. C'est super chaud. Oui, parce que Berry Rare, du coup, c'est quasiment, c'est du bleu en fait. Ouais. Donc ça doit vraiment très très peu cuire, donc c'est, ça m'étonne pas que ce soit très rapide. Quel enfer. Donc je vais prendre. Surtout que c'est très discret en plus. Je vais prendre le filet mignon. Sur le côté. Parce que j'ai peur de rien. T'as Allez. Vraiment pas peur. Allez, c'est parti. Tout ça pour faire de la bouffe dégueulasse. Mais non, voyons. Chicken nuggets, chicken strips, fried fish. Donc déjà, bam, niveau friture, on est bon. Des trucs bizarres de je sais pas ce que c'est. Mais c'est des petites glaces, ça. C'est pas genre des mochi. Bah voilà, ils pourront bouffer ça et du poulet frit. Ouais, des petites glaces, donc genre que du sucre avec du poulet frit, donc que du gras et du et sel. Et du bœuf Wellington, c'est genre bam. Et genre, là mignon. Pour bien. Bœuf et filet mignon, c'est quoi ce resto? Allez. aucun thème à ce restaurant. Ah oui, des Oui, non, c'est vrai que la gastronomie anglaise n'est pas connue pour être la meilleure du monde. Il y a 5 stops, je vais crever. 5 stops, punaise. Elle a pris, non, je n'ai aucune idée, oui, des talents culinaires IRL de Nodus. Ils sont très bons, mes talents culinaires. Voilà. En tout cas, à Cook Serve Delicious, son talent n'est plus approuvé. Allez, filet mignon, boum. Oil bacon. Ah, ce sera un medium rare, donc ça va aller moyennement vite. C'est l'enfer, la cuisson. En fait, t'as genre 2 secondes pour le récupérer, quoi. Sinon, c'est sauce. Mais faut surveiller. Et truffe. Est-ce que tu veux que je te backseat et je te préviens si un truc est en train de brûler? Non, ça va plus me stresser. Mince. Veggie R WS espace US. Il y a beaucoup d'input pour le Buffalo Wellington, mais il est pas si dur que ça. Pourtant, il a l'air très. Non, il y a juste beaucoup d'input, mais une fois que tu les connais, en vrai, ça va. Regarde, là, je fais PV R WS espace US. Boum. Pas... Ça rappelle vite fait la lasagne, parce que t'as plusieurs couches. Oui. On arrive. Allez, 4. P, D, B, W, S, espace, U, S, contrôle. C'est très chiant, c'est très chiant. Extrêmement chiant. 4. Enfin, je vais avoir envie de mettre. Non, oh, j'ai servi trop tôt. Bon, j'aurais pas l'argent. Le lore, pardon. J'ai chié. Non, c'était pas bon. Enfin, si j'ai pas l'argent à cause de Et salut Poutouk qui nous rejoint. On est encore avec vous pour une petite demi-heure sur l'accès anticipé de Cook Serve Delicious 3. C'est complexe, hein. C'est complexe. Ah, la tension est palpable. On va refaire des fiches. Ok, ça c'est. Oil filet mignon, 2 on sert. Il cuit 20 fois plus vite, ça m'énerve. WP 4 P D B W S espace US. Et coucou bastard 9. Est-ce qu'il y a un mode coop multijoueur? Pas pour l'instant, il me semble. Je crois que tu peux déjà y jouer en coop. Si, on peut déjà. Si, il me semble. Ah, il me semblait... Je me rappelais plus si c'était dispo dans l'action. Ils sont aussi criés dessus, oui, bah ça c'est logique. C'est l'enfer ce genre de multi. 2, GWP. Hop, le 6. P, V, R, le 5, W, le 5. S, espace US. Attends. Ouais, c'est bon. 1, GWP. P, le chicken. Oui, c'est annoncé, mais je me rappelais plus si c'était dispo en fait dans l'accès anticipé. Putain, mais quel enfer. 3, GWP. Le 8, c'est quoi le 8? Coop local partagé, écran partagé, ça doit vraiment être l'enfer. Comment se fâcher avec ses amis, quoi. C'est les nuggets, ça, c'est les nuggets. Le chicken strips aussi. C'est bon, ok. Ça va, il en reste que 3. Ah, on aurait pu faire le live en coop. Oh là c'est là. Vrai, ouais. Mais en fait, je crois qu'on peut déjà y jouer. Mais comme je sais pas comment ça se passe en coop. Est-ce que j'ai mis du F au lieu du B? Est-ce que j'ai fait cette bêtise? Écoute, on va voir. Oh putain, en plus, il n'y a aucune pause entre les deux là. La cuisson. Oh, quel enfer! 5 GWP, 6 GWP. Bon, là, tu vois, il n'y avait personne par exemple. À cet arrêt là, il y avait genre 2 personnes. J'avoue. Du coup, là, j'ai le temps de tout refaire. Je vais refaire des nuggets. Oh, je suis dégoûté pour l'erreur tout à l'heure. On va refaire du fish code.
Fiche. Et hop. Okay. Les musiques sont sympas. Et dans sa grande bonté, Madingue repartage le lien de notre autre live de cuisine, qu'on avait fait il y a quelques mois sur Cooking Simulator. J'ai zéro temps, Daniel, je suis désolé. Et Daniel vient chanter avec nous. Daniel, tu me déconcentres! Il est fou, lui. Il sait pas. Je connais pas Cooksurf Delicious. 2, GWP, 3, GWP, 6, SC, 7, 9, GWP, 2, GWP, 3, GWP, 5, GW, 5, putain, le 5, oh non, oh, je suis dégoûté, le 5 est parti, attends, nuggets, chicken, quel enfer. 3 GWP, j'aurai l'argent, je crois. Si j'ai le bronze, là t'as un moyen et un raté. Logiquement, ça va. Ils vont pas me faire me filer le bronze pour ça. Dernier jour, attends, dernier stop. GWP, ok. F5, on va faire du fish. 2 Oil F. 1 PVRWS espace US. DRS. Je sens dire, j'ai trop peur de déconcentrer. Foie gras, F. Ah, je ne sais pas sur quel bouton t'appuyer, mais tu as fait une petite capture d'écran. P, D, B, W, S, espace, US. Pourquoi vous mettez tous les plats d'un coup là? P, D, B, W, S, espace, US. Ils me mettent tous les plats, j'en ai marre. Oil, bacon. 8, DRS. 9, DRS. Contrôle. 7. P, D, B. WS espace US 1 GWP contrôle. C'est l'enfer. Oh là là. Oh mais non, mais arrêtez. C'était une viande. F3, il me faut des nuggets. F4, des chicken strips. C'est bon, 2 GWP, 5 GWP, 6 GWP. Ouais. Des chicken. A bientôt, je trouve. Du fish. Et bon taboulé. 1, 2, hop, boum. Paf. Bam. 1, GWP. 3, GWP. 6, GWP. Boum. Le fish bientôt prêt. Merde, j'ai plus de... Ah, GWP. J'ai chaud, voilà. J'annonce que j'ai chaud. On aurait dû démarrer la clim. 4 GWP, 5 GWP, 8 GWP, non, WP, 2 GWP, 3 GWP, contrôle, 6 GWP, non. Ah, t'en as plus. Putain, vite. Waouh. Quel enfer. J'ai fait deux erreurs, donc logiquement. Tu penses que tu vas passer à côté de... L'or, c'est sûr. De l'argent. L'argent, je le veux. Donc là, die complete. Argent. Ouf. Ça va. Waouh. Eh ben, c'était intense. Good job today. Keep it up tomorrow. Donc deux mauvais, un moyen. Et du coup, tu peux aussi débloquer... Ah non, ça, c'est les trucs de food. Donc plus c'est... Ouais, ça te rapporte, plus c'est... D'accord. Et logiquement, là, il va se passer un truc. Est-ce que tu as fini une zone? Une cinématique. On voit ton personnage au bout. Complètement détaillé. Il en peut plus. Food Truck Challenge in Nashville. Évidemment, tout le monde a envie de faire un challenge.
Hold on, Whisk. I don't think this rust bucket is ready for a 2,000-mile-long road trip. Sure it is. I'll plot a route that takes us through some of the most food-loving territories in the nation. That way we can earn some money, upgrade the truck, and win the competition so Chef can get their restaurant back. Donc l'objectif, c'est d'aller gagner une compétition de food truck. Pour récupérer son restaurant. What do you say, Chef? Bah, est-ce que j'ai vraiment le choix? I mean, it's fine if you say no. It's really not though, please. Elles sont en train de l'exploiter. Lui, il en peut plus. Oui, non, oui, complètement. Il est au bout de sa vie. Il se fait exploiter par deux robots. Je pense qu'on est dans une version alternative de Terminator où les robots ont pris le contrôle du monde, mais dans la cuisine. Ah, je peux faire Y ou N. Il y a un choix. Ah. Est-ce que je fais N? Oh non, on se casse. Oh, je suis fatigué. Bah, comme tu veux. Est-ce que t'es un guerrier prêt à vivre la grande vie de chef de... En fait, le jeu veut que je fasse Y, mais j'ai envie de voir ce qui se passe si je fais N. Oh, ok, chef. I understand. Wow. Ok, ah ouais, d'accord, ça... Wow. Ah, le burn. Ah, les crédits. Donc t'es obligé. Si tu fais non, t'as les crédits. Et ben voilà, c'était bien. C'était Coxer Delicious 3. Et donc là, oui, on voit du coup les noms des deux développeurs. Et en fait, dans les crédits, tu peux appuyer sur Y. La musique est marrante. Et là, fini le jeu. Et oui, c'était le speedrun de Coxer Delicious 3. Et donc Y. Donc là, et coucou Chino qui nous rejoint. C'était un test. Et donc maintenant on a des first stops. Donc là on a commencé ici et on va aller dans Moab en Utah. Tiens, révisez votre géographie des États-Unis. On a 5, 6, 7 arrêts. Enfin 7 zones. Putain, c'est velu en termes de contenu. On est sur Breakfast Favorites. Donc on va faire des roulés à la cannelle. Les pancakes, ça reste la valeur sûre. J'ai envie de voir c'est quoi les œufs. Ah bah si c'est juste mettre des œufs à cuire. Non, ils sont niveau 2, donc à mon avis c'est pas que des œufs. C'est... Bah je pense qu'il doit y avoir... Boiled eggs, poached eggs. A, BP. Soit tu fais des œufs durs, soit tu fais des œufs pochés. On avait il y aura une vieille prep après. Ouais. Voilà, c'est beaucoup. Bah mettre dans le coquetier ou un truc comme ça. C'est beaucoup trop simple pour être... Voilà. Ah non. C'est tout. Ah bah les œufs c'est gagnant hein. Mais les œufs, c'est la win direct. C'est en niveau... Niveau 1. Niveau 1, donc ouais. Ça te rapporte un peu plus d'argent. Ça part en prod, hein, comme on dit. Ça, ok. On va prendre le burrito. C'est un niveau 4. Ou l'omelette, non, je sais pas. Ah, l'omelette... Ah, la quiche. Moi, j'ai un bon sentiment sur la quiche. Allez, on va essayer la quiche. J'aime bien ce qu'il y a un petit historique de pourquoi ça s'appelle une quiche. Il y a une petite note à propos du... Ah non, les oignons, c'est N, évidemment. L'asperge, on l'a mis... Il nous manque. Ah, c'était pas une bonne idée la quiche. Brocoli, épinards, egg, cheese, mozza, c'est l'enfer la quiche. Ok, c'est l'enfer, désolé. C'est abusé comment c'est chaud. Je vais voir ce qui se passe une fois qu'elle est au four, s'il y a une autre étape. En fait, voilà, le jeu pour nous induire en erreur, en fait, va changer les. Ouais non, nul. Ok, la quiche c'est horrible. Va changer en fait les shortcuts, par exemple un oignon va être N. Et sur une autre recette, l'oignon va être O. Bon, on va mettre, parce que là c'est forcément du... C'est quoi le kir? Je ne sais pas comment ça se prononce. PFC. Non, PFR. Oh, c'est bidon ça. Ah, tu voudrais que ce soit bidon ou... Ah non. Ah non. P... IFRL. Ouais bon, on va mettre ça. Il me faut un point, donc on va mettre, bah j'ai pas trop le choix, le breakfast sandwich. Oh, ça va être chiant. Ça se complique très vite. Hein. C'est ce que je remarque. Alors. Donc là, il nous parle de la fraîcheur des aliments, machin, on s'en fout, ça on l'a déjà vu. J'aime tellement ce départ. Bip. Alors. Ok. F2, B. P, entrée. F3, C. Ah, les pancakes, c'est tellement satisfaisant quand elles sont toutes posées comme ça là.
F5, C, BP, ok, 1. Ah, on a Pierrot sur la lune qui arrive. Je connais pas les jeux précédents, c'est annoncé sur console, ça se joue, Xavier. Alors, ça peut se jouer également à la manette. Le 2 a été porté sur Switch et le portage est apparemment très très bon. Moi, perso, ayant pas mal joué au premier Cooks of Delicious, j'ai une grosse préférence pour la jouabilité au clavier parce qu'en fait, chaque ingrédient d'un plat est assigné à une touche. Du coup, il y a moyen de se souvenir, voilà, P ça va être la pistache, B ça va être le bacon, ce genre de choses. À la manette, moi j'ai beaucoup de mal, mais il y a des gens qui s'y retrouvent. Moi, la manette, et du coup, oui, ce Cooks of Delicious 3, il est annoncé sur PC et sur toutes les consoles. Sachant que là pour l'instant c'est que d'action anticipée et qui va arriver plus tard dans l'année, normalement cet été. PL. Non ! 1, 2, contrôle, hop, contrôle, 3, PL, boum. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas, du coup, c'est des jeux très stressants qui demandent beaucoup d'organisation, surtout au clavier quand on est en train de taper. C'est ce que fait Nodus depuis. Non, pas les pancakes, je m'en fous des pancakes. Depuis ça, c'est de dire à voix haute les commandes qu'on est en train de faire. Contrôle 2, PM, 3, PM, 9. Sachant que le jeu encourage à faire de perfect et du coup à se tromper sur aucune cuisson, à enchaîner, à faire des combos, c'est-à-dire à faire que des perfects d'affilée. C'est très 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 stressant. Et là, la nouveauté de celui-là, c'est que du coup, on a plusieurs arrêts à faire, donc plus des deux rushs par jour. On voit toutes les infos sont écrites en haut de l'écran. Bon, par contre, je trouve la disposition très pratique là. U, egg, cheese, biscuit. Je n'ai pas le droit de dire où je suis allé, Leiden, la semaine dernière. Pas encore. Pistachio. Donc, les infos, une fois que les embargos et que les papiers arrivent. Que les embargos tombent et que les papiers arrivent. P, I, F, L, boum, ça part. Attends, j'ai pas fait les prep. Ah, A, C, boum. F4, les œufs. BP, hop, les pancakes, c'est bon. Putain, mais je n'en peux plus. J'ai rendez-vous chez le dentiste juste après. Je vais arriver tout stressé. Je vais serrer les dents. Il va faire, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait un live, écoutez. Moi, j'ai joué aux jeux vidéo. J'ai joué aux jeux vidéo, hein. C'est stressant, les jeux vidéo. Mais d'où j'ai un truc moyen. Ah bah moi je suis pas stressée parce que je suis pas en train de jouer, mais quand je suis sur Cooks of Delicious, je suis folle. PM. Faut que je joue tout seul parce que sinon je crie sur les gens. PE, putain, 6, 4, 3. Ah, ça devient n'importe quoi. Les pancakes. BBBPPPPPPPP, hop, ça part. Boum, les œufs, plus d'œufs, C, BP, hop, 1. Ah, les œufs, c'est vraiment la win. En vrai, ça va, ils sont juste chiants à faire parce qu'ils durent très très peu de temps, les œufs en fait. En 2 secondes, il périme. 1, P, L. Alors, il y a de la coop, soit avec le Steam Remote Play, soit en local, mais là, du coup, on n'avait pas eu le temps de tester. Parce que Nodus a tout juste eu la clé hier. Donc, on n'a pas eu le temps de tester. J'avoue, j'aurais bien voulu jouer, mais. On pourrait jouer durant la pause minute d'heure, si tu veux. Ouais, on va tenter quand même de voir ce que ça donne en coop local. Mais ouais, c'est déjà dispo sur l'accès anticipé. J'avais un doute, mais c'est déjà dispo sur l'accès anticipé, ça c'est. IFRL. IFRL. CM. Ah, le breakfast, je l'aime pas du tout. Ham, egg, biscuit. Sausage, egg, cheese, biscuit. Je n'aime pas du tout ça. Le food truck GK par Pipo Inodus, oh là là. F, R, 6, 8, W, C, M. Non, j'ai oublié le cinnamon. Le cinnamon, il dure 2 secondes, il m'énerve. Faut vraiment le sortir dès qu'il a fini de cuire, quoi. P, I, F, R, L. D'où j'ai un moyen, là. Casse-toi, moyen, vas-y. Ça, ouais. Ça m'énerve. P, F, cranberry, R. Boom. Alors là, dans celui-ci, non, comme on est dans un food truck et pas dans un restaurant fixe, il n'y a pas la vaisselle à gérer parce que ce ne sont que des plats à emporter que les gens prennent avec eux. Pas de toilette non plus, par contre. Alors, c'est pas encore arrivé, Nodus n'a pas eu l'occasion de voir ça. Comme on est sur la route et qu'on est dans le futur, vu que le scénario nous emmène dans un délire post-apocalyptique, on peut se faire attaquer en fait pendant les temps de préparation entre deux stops. Donc je serais très curieuse de voir ça, je sais pas si on aura l'occasion avant la fin. J'ai pas du tout envie de le voir. Voilà. Mais voilà, Nodus est déjà suffisamment stressé, on va pas non plus espérer qu'il se fasse attaquer. Mais ils ont réussi à trouver encore de nouvelles manières de gérer le rythme en fait du jeu. Et du coup chaque
Cousin of Delicious va avoir sa petite identité comme ça. Je trouve ça très très cool. 5. Oh, tous ces pancakes, quel enfer. Hop. Putain, en plus c'est la cuisson. PS, boum, 9. PL, boum, 6. PL, 3. PM. C'est la mort, voilà. PS, 2. PS, 4. PE. Le jour est terminé. Est-ce que tu peux toujours personnaliser j'avais souvenir, il me semblait qu'on pouvait, genre pour telle recette, changer tel input. Par exemple, là, tu devais faire PL pour pancake et blueberry, ouais. Et pas PB, alors que le B n'était pas signé, que blueberry. Ah, plus... alors je sais pas si tu peux changer input par input, je vais aller voir dans les... Parce que sur clavier, du coup, c'est quand même vachement plus instinctif. Alors, un peu des options. Les... Keyboard. PrepStation Keys, donc là, tu vois, c'est les PrepStation. Universal Ingredients. En fait, non, tu vois, c'est les... Ah, ouais. C'est juste les lettres, j'ai l'impression, comme ça. Universal. Ah, donc, ouais, Universal, c'est... Ouais, non. Donc, en fait, ouais, c'est par food. Moi, je préfère le garder par food. Au moins, t'as tes réflexes qui se développent. Hein. Et tu sais... En fait, il arrive un moment fabuleux dans Cousin Delicious où t'as fait tellement de fois un plat que t'arrives à le faire sans regarder les touches et sans même... on est sur du réflexe mécanique. PBLER et tu le fais en 2 secondes. Et ça qui est fabuleux, c'est quand t'arrives à tout enchaîner et que tout se passe très très bien. Tu peux ribbon quand tu essaies un plat. Attends, on va aller voir. J'avais le souvenir qu'on pouvait dans le premier. C'était pour les pancakes, hein, tu m'as dit. Ouais, par exemple sur des pancakes. Practice. Je sais pas si ça serait dans l'entraînement. Bah écoute, parce que là tu lançais tes pancakes. Ah là, ça joue comme ça à la souris. D'accord, mais écoute, je découvre comment Coaster se joue à la souris. Ça joue comme ça. En vrai, ça se tente, hein, à la souris. Ah non, c'est chiant la souris. Ok, non, c'est chiant. Ça a l'air. En fait, faut que tu regardes en bas et que tu regardes à droite. Il faut en bas. Cliquer. Ah, F1 custom keybound, F5 reset. Pardon, j'avais pas. Bah non. Attends. F1, non. Non, je ne. Bah ouais, non, je ne vois rien non plus. Moi, je ne vois pas où c'est marqué. Hein. Ah, attends. Ah. Ah, ok. Et donc, ça, P pancake. Ok, donc, on va faire ça. Ok, ouais, je vois. On peut faire ça. Donc on peut, ça a l'air, la mécanique a l'air assez compliquée, mais on peut. Parce que par exemple, tu te trouves petit à petit, t'arrives à te trouver tes mains et les plats que tu mets le plus souvent parce que c'est ceux sur lesquels tu t'es le mieux développé. Je pense que je le ferai après, je passerai peut-être une et petite si on veut vraiment optimiser chacune de ces inputs et pour aller le plus vite possible, notamment quand on est en train de chercher à avoir l'or par exemple, sur tous les niveaux, c'est bien de mettre que ses mains et tous les plats qu'on maîtrise de mieux et du coup de pouvoir personnaliser ses inputs, je trouve que c'est vraiment une très très bonne solution. Alors, salade et pas le taboulé de con, ce qui m'a énervé. Et le steak, ça va être très simple. En vrai, ça, c'est les trucs les plus simples du monde. Ce sera le dernier niveau. Et donc, j'espère que j'en aurai un or pour le dernier niveau. Et après, j'irai chez le dentiste. Oui, l'heure a été un peu avancée, du coup, on va terminer là d'ici 10 petites minutes. Finis ce niveau. Ok, A, LATRU. Celui-là, je le connais par cœur. B, TGPNV. En fait, j'ai que ça. Le problème de la laitue, enfin de la salade, c'est que en 2 secondes. Ah, tu vois, il me fait tirer dessus. Je crois. Ah oui, d'accord. Ah, ça t'a fermé. Ça me ferme un truc. Non, ça rigole zéro. Donc, on a vu le type d'attaque qu'on peut avoir. Pour l'instant, c'est pas trop méchant. Et il m'a fermé une station quand même. Hein. Heureusement que j'en ai plusieurs. Est-ce qu'il vaut mieux. On est d'accord, il vaut mieux qu'il te ferme des prep stations, donc les 9 que tu as à gauche, plutôt qu'une des 5 que tu as en haut. Non, moi je préfère qu'il ferme en haut les trucs, parce que là par exemple, sur un niveau où j'ai que 2 plats à préparer, j'ai C, A, T. Je m'en fous qu'il m'en ferme une, en plus j'en ai débloqué une en plus, donc de base t'en as que 4. Ouais. Donc c'est pas. C'est moins. Moins handicapant. C, T, S, K, 2, S, O. La salade, la salade, la salade, la salade, la salade! 4A, LATRU, hop, contrôle. Vite le steak, le steak, le steak, le steak, le steak.
SM. Putain, c'est extrêmement chaud. La salade encore, la salade. Ah, elle a TRU. Boum. Est-ce que j'ai raté? Non, j'ai raté des trucs. Est-ce qu'on a accès directement à tout le jeu avec accès anticipé ou est-ce que c'est une grosse démo jusqu'à l'arrivée? Il va ajouter des mécaniques en fait. Là pour l'instant, l'histoire n'est pas terminée et il manque. Au niveau des plats, il y a à peu près tout. Il va en ajouter au fil du dev, mais il va surtout ajouter des mécaniques et modifier un peu la façon dont se joue le jeu en fonction des retours des joueurs. Hello Vega Biggs. Oui, effectivement, Cooks of Delicious, c'est un typing game. Tout à fait. Ça n'a rien de dégradant, Vega Biggs. C'est un excellent typing game, ma fille, quoi. Très stressant sur le truc. GASK. 6. GCAT. Putain, j'ai oublié la salade de con. La musique qui va pas du tout avec l'ambiance de jeu. Attends, je me concentre. TGPNV. Hop. Putain. Ah. SG3. SG4. SG, hop. LATRU, boum. F4, B, TGPNV. Non mais c'est hallucinant comment c'est chiant. J'aurais que l'argent, je suis dégoûté. GPNV. Oh t'inquiète Vegabis, il n'y a pas de soucis. Ah donc si vous trouvez ça stressant à regarder, dites-vous que c'est pire à jouer. Merde, il y a encore un arrêt. Ils sont fous. Et oui, il y en a trois cette fois. SK, boum. GASK, je vais faire vite mes salades avant qu'on arrive. TGPNV. En fait, c'est très chiant qu'il m'ait fermé un truc. Là, je sens vraiment la différence. CTSK. GASK. Est-ce que les gens se moquent de moi? Chino est en train d'imaginer ton rendez-vous chez le dentiste d'ici une grosse demi-heure. GCAT. En plus, je crois que ça va être pour les dents de sagesse. Et ça fait très mal du cul. Ça, plus les 20 heures d'avion, là, ça m'a déboîté les dents. Voilà. La salade. F4. TGPNV, hop, ok, le steak. SO, bim, la salade. A, LATRU, hop, contrôle. A, LATRU. Putain, j'ai oublié le truc. B, TGPNV. Non oh. Non, je l'ai raté. LATRU. C'est l'enfer. Effectivement. Plus jamais je monte ce jeu en live. Plus jamais je joue à ça de ma vie. Il va y éclater 80 heures quand le jeu sortira. On le sait. Il le sait. Vous le savez. L'argent. Oui, Alex Flex, il y a une touche en fait en appuyant sur contrôle. Toutes les commandes qui sont prêtes, vu qu'on les prépare à l'avance, oui. Avec les touches en haut. Tout ce qui est prêt part d'un coup en fait. En fait, le jeu est beaucoup plus axé sur ta capacité à préparer les plats à l'avance. Parce que maintenant, en fait, le rythme change carrément par rapport à CSD2. Dans CSD2. Avant que ton resto ouvrait, tu pouvais faire des plats en prep station, donc enfin les stations de préparation qui sont en haut, et t'étais pas embêté. Là, dans le food truck, pendant que tu fais tes plats en prep station, tu dois faire d'autres plats et les mettre dans les tupers pour quand les gens arrivent. Tu les mets sous cloche en fait. Donc tu fais à la fois des plats de gauche et des plats en haut, et donc du coup, en fait, c'est la touche contrôle en fait, elle est naturelle. C'est normal d'avoir à tout rendre d'un coup. Au début, j'avais peur que ça me facilite trop le jeu, parce que c'était pas le cas dans CSD2, mais en fait. Comme le rythme fait que. T'as beaucoup plus de plats, donc c'est normal de. Ouais, c'est carrément normal. Eh bien, écoute, il est 16h59. Alors, oui, Siryuki, excellente remarque. Les icônes des deux plats qui se ressemblent tellement. La salade et l'autre truc, là. Il y avait la même chose tout à l'heure sur des chicken wings. Ouais, et le poisson. Non, un autre truc. T'avais deux trucs les de nuggets. Poulet. T'avais des wings et des nuggets, ouais, je horrible. Crois. Et à voir sur le côté, on a l'impression que c'est tout et la ça, même en fait, chose. C'est en fait, c'est quand tu prends des plats qui. Oh, Thanksgiving. Quand tu prends des plats qui se ressemblent trop, et ben parfois tu peux être un peu. Oui, c'était quoi? C'était la salade et le. La salade et le truc de. Non, pas le taboulé de con. Pas le taboulé de con, on a dit. Pardon. Écoute, je vais nous repasser en grand. Oui, bah moi je vais. Je vais pouvoir respirer un peu. Voilà. Ouh, mais je suis fatiguée rien que d'avoir suivi ce live avec toi.
Bah oui, non, mais en tout cas, c'est. Ça a l'air toujours aussi stressant, mais. J'ai envie de m'y remettre. J'ai vraiment envie de me remettre à Conquer the Shore. Je pense que je vais essayer le 2 avant. Ouais, fais-le, il est cool. Avant la sortie du 3. Mais voilà, donc du coup, les gens qui sont curieux, ça c'était. C'est encore que la version anticipée. Qui va être bientôt accessible là en fin de semaine, le 29. Mercredi. 29, ouais. Donc c'est le 29 mercredi. Et il y a déjà beaucoup de contenu. Ouais, dedans, ouais, et il y a ça, pas mal de contenu. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau des menus, au niveau de. Qui sont pas terminés, au niveau des animations parfois. C'est beaucoup d'habillage en fait esthétique parce qu'il a repris le moteur de CSD2 et juste il a remis le même layout du jeu, il a juste changé les plats et changé la façon dont ça se joue. Donc il y a beaucoup de taf à faire je pense niveau esthétique, mais pour l'instant moi j'aime bien, c'est différent de CSD2 et je sais que j'aurai beaucoup de mal à me remettre à CSD2 après ça, tout comme j'avais beaucoup de mal à me remettre au 1 après avoir essayé le 2. Donc là ça change beaucoup, mais c'est pas mal, c'est un rythme à prendre, mais c'est toujours un excellent type, enfin pour l'instant du moins un excellent typing game de cuisine. Voilà. J'attends aussi de voir comment il va se réinventer parce que s'il ajoute que que les phases où tu te fais tirer dessus, j'espère qu'il y aura d'autres trucs parce que là il n'y a pas de vaisselle, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de déchets, etc. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'avoir été enlevées, qui sont en moins par rapport au fait d'avoir un restaurant physique. Après on va voir ce qui va être rajouté, mais ça a l'air toujours aussi intense. C'est horrible. Rien qu'à regarder, j'étais fatiguée. J'ai le cerveau complètement vidé là. Je suis. Donc, on va aller se reposer. Oui, tout à fait. Boire un thé et toi tu vas filer chez le dentiste. Exactement. Et on vous donne rendez-vous du coup. Là vous avez Madin qui vous a mis tout le programme des autres lives demain. C'est Passe-moi le sel sur For Honor et Lethal League Blaze. Lethal League. J'ai toujours du mal à dire ce nom de ce jeu. Lethal Blaze League. Les Level et Winner. Mercredi Disintegration. Ce sera à partir de 19h30, quelque chose comme ça. C'est en soirée comme d'habitude. Mercredi c'est Disintegration avec Gotos puisque la bêta ouverte du jeu va être, enfin bêta fermée va être lancée. Speedrunners que vous connaissez bien pour jeudi. Et vendredi on verra. Voilà. Parce qu'il va certainement y avoir une sorte de tournage. Oui. Très possible. Tournage d'émission. Très possible. On tournera l'émission. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Des bisous. Bye. Ciao.